just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Favorite 2022. J'ai pas relu tout ce que j'ai mis sur ma liste, pour le moment ça fait longtemps que je l'ai écrite et je l'ai noté au fur et à mesure de l'année, mais je ferai une vidéo dédiée sur mes livres que j'ai préféré lire cette année, les séries que j'ai préférées, les youtubeurs, youtubeuses, les médias, tout ce que j'ai consommé en fait cette année, je vous en ferai des vidéos dédiées. Là c'est juste des trucs un peu random quoi. Le tout premier truc que j'ai noté, c'est quelque chose que j'ai filmé au tout début d'année, c'était notre séjour à la Plagne avec Romain et ses parents. C'était trop bien, on a passé une semaine au Club Med, donc pendant une semaine on faisait que du ski, j'allais dire on faisait rien, mais si, on a fait du ski, moi pas trop, parce qu'au début je voulais pas en faire, j'avais peur. J'ai pris mon courage à deux mains pour le faire et même si j'étais très lente et très nulle, c'était trop cool comme moment, et même toute la semaine était vraiment trop chouette. On a fait de la motoneige, on a fait du bobsleigh, c'était vraiment un paysage magnifique et je suis trop contente d'avoir vécu ça. Du coup c'était vraiment une semaine de déconnexion totale, on faisait que être ensemble, genre c'était trop bien. Ensuite j'ai noté mes Converse mauve et mes Arizona Love. Donc les Converse mauve, je vous les ai montrés dans un vlog. Pendant je sais pas combien de temps j'étais obsédée avec ces Converse, je n'attendais qu'une chose, c'était qu'ils se fassent un petit peu plus chaud pour pouvoir les mettre, parce que sont basses. C'est des chaussures sur lesquelles j'ai craqué quand je les ai vues dans le magasin. J'ai eu un coup de foudre instantané. Je les ai essayées, je les ai achetées direct. Il n'y a pas eu de réflexion. Je les voulais, je les ai eues. Première chose. Et après, j'ai noté les Arizona Love que j'ai achetées cet été avec ma mère. Enfin, avec ma mère. Je les ai vues avec ma mère à Paris et on les a cherchées dans tous les magasins parce qu'il n'y avait pas ma taille. Et on les a pas trouvées à Paris, mais je suis allée à Lyon un petit peu plus tard dans la semaine et je les ai trouvées à Lyon. Il restait que ma taille et j'étais tellement contente de les avoir. C'était vraiment le Graal, genre. Le troisième favori que j'ai noté sur ma liste, c'est ma caméra de vlog. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé vraiment depuis que je l'ai eu jusqu'à maintenant, j'arrête pas d'utiliser. C'est un investissement que je suis trop contente d'avoir fait cette année et c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, donc je suis trop contente d'avoir enfin pris mon courage pour m'en acheter une. Ça rend les vlogs tellement plus simples et ça donne envie de filmer tout le temps, et j'ai pas filmé autant que j'aurais voulu cette année pour d'autres raisons, mais j'ai pu filmer beaucoup plus que ce que j'aurais pu avec cette caméra avec laquelle je suis en train de filmer maintenant, qui est beaucoup plus lourde et beaucoup plus encombrante quand je pars en voyage par exemple. Et même si vous faites pas des vlogs et que vous voulez juste prendre des souvenirs en vidéo, c'est une caméra que je vous recommande, ce qui est vraiment bien, c'est la Sony ZV-1. La quatrième chose que j'ai notée sur ma liste, c'est notre voyage à Rome avec Romain, et je sais pas pourquoi ce voyage m'a autant marqué. Je sais pas, je me sentais bien du début à la fin. Déjà la ville était magnifique et à chaque coin de rue j'étais émerveillée de toute l'architecture, des bâtiments, de la lumière même dans la ville, les rues pavées, et même s'il y avait du monde c'était super agréable, même s'il y avait des oiseaux. C'est un moment, je me sentais bien. Oui, le geste là, genre c'est comme si j'avais plus rien sur mes épaules. Je suis trop contente d'avoir vu le Colisée, de l'avoir vu de l'intérieur et d'avoir visité du coup une des 7 merveilles du monde. Deux petits jours en amoureux, c'était vraiment trop bien du début à la fin. Et mon moment préféré dans tout ce séjour, je pense que c'est quand on a mangé en face du Colisée. Vraiment, ce moment là, je l'ai photographié dans ma mémoire et c'est un moment que j'oublierai jamais, je pense, parce que je sais pas, ça m'a marqué. C'était tellement beau, tellement parfait, il faisait bon, il faisait beau, la vue était magnifique, on a trop bien mangé, on n'était pas stressé, genre la vie était belle. Ensuite, j'ai noté le dimanche travail, ménage, cuisine, routine, lumière, série. C'est précis mais en même temps très général. En gros c'est tous les dimanches que j'ai passé à Lyon, puis ici ça a changé. Quand je travaillais un peu le matin pour poster mes vidéos et qu'après je faisais du ménage du sol au plafond, ensuite une petite soupe, j'allumais des petites lumières, des petites bougies et je me calais devant une série en fin de journée après avoir pris ma douche, c'était vraiment trop bien. C'est des moments simples mais c'est des moments importants je trouve, parce que c'est ça la vie. C'est pas que des trucs fous, c'est pas que des voyages, c'est aussi des petits moments simples comme ça le dimanche à faire le ménage et à faire à manger et à profiter de ce qu'on mange après avoir fait le ménage. Voilà, le dimanche c'est un des gros favoris de l'année. Ensuite j'ai noté rencontrer des abonnés et je suis trop contente, ça me fait trop plaisir, voilà le sourire que j'ai en voyant ça. Cette année pour la première fois j'ai dit dans mes vidéos que je voulais vous rencontrer et j'ai pu le faire, enfin j'ai pu vous rencontrer, enfin 4 d'entre vous. Et ça m'a fait mais tellement plaisir, ça a rempli mon cœur de joie et je vous jure que c'est un moment, c'est un favori de cette année, mais c'est un favori de ma vie. Genre je suis trop contente de faire des vidéos sur YouTube pour pouvoir rencontrer des personnes comme vous. C'est exactement pour ça que j'ai commencé ma chaîne et c'est exactement pour ça que je suis contente de l'avoir encore aujourd'hui, pour pouvoir discuter avec vous en commentaire ou en vrai. C'était vraiment très cool de mettre des visages sur des pseudos qui commentent mes vidéos depuis longtemps. Merci beaucoup les filles d'avoir pris le temps de me voir. Ensuite j'ai noté mon voyage à Londres en solo et ça je vais pas trop m'éterniser parce que j'ai l'impression d'avoir pas
parlait que de ça toute l'année. Ça faisait très longtemps que j'avais pas voyagé toute seule sans avoir de rencontre prévue. Je sais pas pourquoi j'étais réticente. En fait, je pense que c'était parce que le voyage à Rome était tellement cool, tellement bien avec Romain, que je me disais que ça allait peut-être être moins bien à Londres seule sans lui. Et du coup, ce que j'ai adoré et ce que j'adore avec les voyages en solo, c'est que tu fais ce que tu veux quand tu veux sans culpabiliser. Avec Romain, je peux faire ce que je veux quand je veux, mais je sais qu'il est là et je sais que si je fais un truc qui l'intéresse pas, ça va m'embêter quoi. Donc là, j'étais vraiment seule, vraiment libre à 100%. Si j'avais envie de marcher pendant des heures et des heures et des heures, je pouvais. Même si j'adorais tout ce que je faisais dans la journée, je pense que c'est juste mon hostel qui était pas très accueillant et dans lequel je me sentais pas hyper bien et j'avais juste envie de retrouver mon confort. Mais c'est aussi pour ça que je trouvais que c'était important de faire ce voyage en solo, parce que je trouvais, enfin en début 2022, que j'étais un petit peu trop confortable. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mise un petit peu en challenge comme ça. J'étais vraiment hors de ma zone de confort et c'était vraiment trop cool pour ça. Ça c'était pour le voyage en solo, mais sinon Londres en tant que ville, c'est une ville que j'ai adorée et c'est une ville dans laquelle j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, qui était de visiter les studios Harry Potter. C'est tout pour Londres parce que j'en ai déjà fait plein de vidéos, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, c'était un moment important quand même dans mon année. Ensuite j'ai noté conduire à La Réunion et voir Romain conduire. Donc Romain a eu son permis cette année et c'est pour la première fois que je l'ai vu conduire. J'étais dans la voiture avec lui, j'étais dans le siège passager, genre c'était trop bien. Et moi aussi conduire, c'était une peur que j'avais en rentrant à La Réunion tous les ans. C'était je n'aime pas conduire. En tout cas je n'aimais pas conduire à La Réunion, j'ai toujours eu peur. Et je n'aimais pas conduire non plus les voitures manuelles, donc c'est aussi pour ça que je conduisais pas. Mais là ma mère a une voiture automatique cette année et j'ai pu du coup la conduire pendant toutes les vacances et c'était trop agréable. En plus elle est décapotable, donc c'est vraiment le petit bonus. Avec la mer, la montagne, la savane, ça c'était vraiment des trop bons moments, seul ou accompagné. J'ai conduit ma mère, j'ai conduit mon père, j'ai conduit ma soeur, je crois, je ne me rappelle même plus si je l'ai conduit elle. Mais en tout cas j'ai conduit mon père et ma mère et ça c'est des moments forts. Genre la dernière fois que je l'avais fait, c'était à Charlotte quand ils étaient venus me voir, mais je l'avais pas refait depuis parce que je vous dis j'avais tellement peur. Et pareil, j'en ai parlé longuement dans une vidéo donc je vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'était, je suis contente d'avoir dépassé cette peur et d'avoir apprécié conduire à La Réunion. Ensuite j'ai noté la fête des pères avec du coup mon père et mes deux sœurs. On est allé dans le sud de l'île avec la voiture de ma mère dont je vous parlais juste avant, qui est décapotable, et ça a changé complètement l'expérience qu'on en a eu, parce que si on avait eu la voiture de mon père, enfin une voiture normale, genre sans décapotage, j'aurais été complètement différent, parce que là vraiment on avait l'impression d'être dans la nature. Les musiques ont beaucoup joué, ma soeur a joué sa playlist et c'était, enfin voilà, c'était trop bien, des musiques qu'on écoutait souvent quand on était avec mon père en voiture, et on a tellement ri, c'était un trop bon moment. On a bien mangé, on a dormi dans une petite maison d'hôte trop sympa avec plein de chatons. C'était un week-end parfait, genre vraiment trop bien. Ensuite rien à voir, et c'est un favori que j'ai noté et que j'ai gardé parce que c'est un truc qui a été important au début d'année mais ça l'a plus du tout été genre à partir de mai, c'est Wordle. Et Wordle, on joue à ça tout le temps, tous les jours, et c'est un jeu que j'ai envie de reprendre parce que c'était vraiment tellement bien. C'est juste qu'au bout d'un moment on l'a un peu oublié. Le 11e favori que j'ai noté, c'est Paris avec ma mère. On a fait les magasins, on s'est baladé dans Paris, c'était super. On a fait le bus à deux étages, là, le bus de tourisme. On est allé voir une pièce de théâtre un soir, c'était génial. C'était une pièce de théâtre à choix multiples, donc en gros c'est le public qui choisit ce qui se passe, et c'était super bien fait, super bien joué, c'était trop drôle, on a trop adoré vraiment. Et voilà, il y avait ça, il y avait d'autres choses, je vais pas rentrer dans les détails trop, mais c'était un moment que j'ai adoré autant qu'il m'a rendu un peu triste. Je vous en parlerai peut-être à la fin de la vidéo, mais vu déjà dans quel état je me mets en juste évoquant que je vais en parler, c'est pas sûr. Ensuite, en 12e favori, j'ai noté travailler chez ICI. ICI, je vous l'avais jamais dit je crois en vidéo, c'est le nom de la boîte dans laquelle je travaille. Je suis monteuse vidéo en principe, mais en même temps je fais plein d'autres choses. Donc je prends les photos pour le site, je prends les photos pour le compte Insta, je prends les photos pour un peu tout. Je filme aussi et j'emballe les commandes parfois, enfin voilà, je fais un peu plein de choses. C'est une marque de vêtements vintage et j'ai noté ça dans mes favoris parce que c'était déjà avoir un travail, c'était compliqué au début quand on venait d'arriver au Canada. Et je suis trop contente d'avoir trouvé ce travail, même si je m'en plains dans ma vie privée. Enfin genre avec Romain je m'en plains des fois, parce que c'est vraiment très loin de chez moi. Je suis à 2 heures de route, donc 4 heures aller-retour en une journée, ça fait vraiment beaucoup d'heures passées dans les transports. Mais hormis ça, vraiment c'est un job que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Genre je fais des vidéos, je fais des photos, c'est trop bien. Et en plus pendant la journée, pendant que je fais les photos pour le site par exemple, je peux écouter des podcasts, de la musique, enfin vraiment c'est une qualité de vie au travail qui est plutôt cool. Il faudrait que je me rappelle un peu plus tous les jours quand j'y vais, parce que c'est ça juste qui me fatigue. Ensuite j'ai noté en 13e favori, avoir accompli beaucoup de mes objectifs de l'année. Je reviendrai dessus dans le prochain vlog je pense, parce que, enfin voilà, je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail, mais j'ai quand même accompli beaucoup des objectifs que je m'étais fixé au tout début d'année. J'ai vu et lu tout ce que j'avais prévu de voir et de lire, j'ai accompli un peu mes gros objectifs, les trucs un peu principaux, et j'ai accompli beaucoup d'objectifs de voyage aussi, donc je suis trop contente. Le seul truc que j'ai un peu laissé de côté, c'est la bucket list. Ensuite j'ai noté nectarine qu'on a mangé avec Romain chez notre couple d'amis à Toronto, et vraiment quand je l'ai noté, je pense que c'était le jour où je l'ai mangé, parce que c'était vraiment
Je vous jure, enfin je sais pas comment vous expliquer ça. Est-ce que vous voyez dans Ratatouille quand Rémi croque dans je sais plus quoi et ça lui procure un peu des sensations, c'est plein d'espèces de petits feux d'artifice sur un fond noir. Voilà, c'était ça, c'était la nectarine de l'été, on en avait besoin, il faisait chaud, on avait besoin de vitamines et de fraîcheur. Et la sensation de croquer dans cette nectarine, c'était vraiment un moment, genre pareil, comme à Rome, genre ça m'a enlevé un poil des épaules, genre j'étais bien en mangeant cette nectarine. Ensuite j'ai noté en 15e favori, vivre à Toronto, avoir changé de vie, l'avoir fait pour de vrai, avoir été tiré au sort, etc. Donc oui, on a été tiré au sort pour le PVT, donc ça c'est déjà le premier exploit. Ensuite on a fait toutes les démarches pour venir, ça aussi c'était un autre exploit. Ensuite on est arrivé, c'était encore un autre exploit. Ensuite on a réussi à faire les démarches pour avoir un travail, un appartement, pour avoir une banque, enfin faire tous les papiers et ensuite vivre notre vie à Toronto du coup. Et c'est un gros favori parce que c'était une grosse étape, un gros challenge et c'était vraiment pas aussi facile que ce qu'on croyait. Beaucoup de gens nous disent qu'on était très courageux et tout, mais à chaque fois je réponds que c'était juste de l'inconscience, on n'était pas du tout préparé à ce qu'on allait vivre. Je suis très contente d'avoir mis ça derrière nous et d'avoir du coup un toit sur nos têtes. C'est autant un objectif qu'un accomplissement, un objectif, c'est autant un favori qu'un accomplissement je veux dire, parce que c'était vraiment pas simple et même si je m'attendais à ce que ça le soit, ça l'a pas du tout été et j'ai quand même réussi à surmonter toutes ces épreuves quoi, donc je suis très contente de l'avoir noté là. Ensuite en 16e favori, j'ai noté me balader dans Toronto à la fin de l'été et au début de l'automne. Trop belle couleur, dimanche tranquille, vous solo, profiter de la ville. Et le TIFF, ah oui, en septembre il y a eu le TIFF, donc c'est le Toronto International Film Festival. Il y a eu énormément de célébrités qui sont venues à Toronto et avec qui, enfin on était dans le même noyau quoi. C'était fou de me dire que autour de moi, vraiment pas loin, à quelques mètres, il y avait peut-être Daniel Radcliffe, Taylor Swift, Harry Styles, il y avait qui d'autre, Jennifer Lawrence, je me rappelle même plus, Spielberg, lui on a failli le voir plein de fois, mais on a vu seulement le cast à chaque fois. J'ai pas vu les films, j'espère que l'année prochaine je m'y prendrai assez tôt pour pouvoir prendre des places pour aller voir vraiment les films qui se jouaient pendant le festival. Et c'était trop cool déjà de le vivre de l'extérieur parce que c'était inattendu, je pensais vraiment pas que ça allait être un truc aussi énorme, ça c'était vraiment trop cool. Et aussi me balader dans Toronto au début de l'automne comme je le disais, de voir les arbres changer de couleur, de voir les maisons décorées pour Halloween, c'était vraiment trop bien. Et surtout quand on venait d'emménager et qu'on avait vraiment rien, j'aimais sortir pour aller voir ailleurs et voir continuer de visiter la ville parce qu'on venait d'arriver quand même. Et j'ai vu du coup plein de nouveaux quartiers que j'ai adoré dans Toronto et ça me fait trop plaisir de vivre là maintenant et de me dire que bientôt au printemps on pourra ressortir pour refaire des choses. Celui-là en hiver il fait quand même froid. En 10e favori, j'ai noté que j'ai beaucoup plus cuisiné cette année et ça aussi c'est un énorme favori. Et maintenant je me rends compte quand je rentre à la maison, là par exemple je filme, je suis rentrée du travail il y a pas longtemps, je vais pas avoir le temps de cuisiner pour manger et je me sens déjà mal de manger un truc vite fait que je vais adorer, donc je vais adorer le goût, mais ça aura pas le goût d'un plat cuisiné. Quoi. Et c'est fou parce qu'avant je mangeais que des trucs tout faits, quasiment. Trop longtemps d'avoir fait ça cette année, d'avoir découvert de nouvelles recettes et de m'améliorer un petit peu plus en cuisine parce qu'à chaque fois que je cuisine des choses, je les trouve plutôt bonnes. Et j'y prends du plaisir en plus et ça c'est important. Ensuite en 18e favori, j'ai noté être indépendante financièrement. Mes parents m'envoient toujours un peu le sou de temps en temps, mais c'est plus du tout régulièrement et j'en ai pas du tout besoin. C'est de l'argent de poche en plus pour meubler surtout. Je peux carrément vivre avec mon salaire et ça fait vraiment plaisir en vrai. Même si j'ai pas encore mon salaire de rêve, je gagne suffisamment pour pouvoir payer mon loyer, payer mes courses, payer les charges et me faire quelques petits plaisirs. Pour l'instant pas encore trop de gros plaisirs, mais peut-être bientôt. Voilà, je suis plutôt contente de ça, c'est un très gros favori de 2022. Ensuite j'ai noté le spectacle Harry Potter, donc Romain m'a offert ça pour mon anniversaire en octobre. C'est le plus beau show, le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. J'en ai pas vu énormément non plus, mais suffisamment pour avoir de quoi comparer. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, il y a Londres, il y a New York, il y a Toronto du coup et sûrement dans d'autres villes, je vous le recommande à 100%, ça vaut vraiment le coup si vous aimez Harry Potter et même si vous aimez un peu moins et que vous accompagnez quelqu'un qui adore, ça vaut vraiment le coup, c'est spectaculaire. La dernière chose que je vois là, c'est évidemment un favori que je ne pouvais pas oublier de citer dans cette vidéo de 2022, c'est quand les filles sont venues nous voir à Toronto. La famille d'accueil chez qui j'étais à Charlotte en tant qu'au pair est venue nous rendre visite quelques jours, pas longtemps mais suffisamment pour qu'on puisse vraiment profiter des moments ensemble. Et ça, mais c'était une bouffée d'air frais, ça m'a fait tellement plaisir de les voir et de les voir grandir, de les voir changer mais de les voir toujours elles-mêmes, c'était vraiment super. Et puis même de retrouver les parents, de retrouver notre proximité qu'on n'a pas du tout perdu même après toutes ces années. Je vous avais pas vu depuis 3 ans je crois, 3 ou 4 ans, à un moment mais de pur bonheur encore une fois. Enfin j'ai l'impression que tous les favoris que je vous ai cités, le geste qui les représente, c'est ça, un poids enlevé de mes épaules, genre vraiment de la plénitude, du bonheur complet. Voilà, ça c'était un énorme favori de 2022 aussi, j'ai pas besoin de rentrer plus dans les détails, je vous en ai déjà parlé, mais voilà. Et d'ailleurs c'était mon 20e favori, donc mon dernier. Et quand je revois tout ça, je me dis j'ai quand même passer une excellente année même s'il y a eu des moments moins faciles. J'ai envie de vous raconter mais en même temps je sais pas. Si, je pense que c'est important de le dire parce que même s'il y a eu toutes ces choses positives, tout n'a pas été toujours positif cette année et du coup je vais vous raconter pourquoi j'ai été si mal pendant si longtemps cet été. En gros, genre 2 semaines avant notre départ, et ça y est ma voix commence à trembler. Je peux pas raconter en fait. J'ai essayé de raconter un truc mais je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois je pleure, donc je vais pas le faire. De toute façon c'est
pas très important en vrai pour la vidéo. Juste le message que je voulais faire passer avec cette histoire, c'était que même s'il y a eu plein de trucs cool, il y a eu des trucs moins cool. Et en gros, que ces trucs moins cool ont rendu toutes les choses cool, vraiment très cool. C'est important de se remémorer les choses positives, mais c'est aussi important de se remémorer les choses négatives, parce que c'est ce qui rend les choses positives positives. Voilà, c'est le message en gros. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire un truc là, parce que ça fait longtemps que j'y pense. À chaque fois, j'entends parler de positivité toxique et tout. Mais pour moi, la positivité, c'est pas aller bien tout le temps et faire genre ça va bien tout le temps et se motiver à aller bien tout le temps. C'est juste que quand ça va moins bien, tu sais que ça finira par aller mieux. C'est ça pour moi être positif. Et du coup, je comprends pas comment ça peut être toxique. Lorsque, si on n'a pas ça, ben cool, genre. Voilà, c'était mon petit coup de gueule en fin de vidéo que je voulais faire passer. En tout cas, j'ai passé une excellente année 2022 malgré tout. Il y a eu tellement de choses cool, vraiment, quand je revois tous ces favoris et quand je vais revoir cette vidéo, en tout cas le début, tout mon petit récap qui est très positif évidemment. Je me suis jamais filmée en train de pleurer, même si ça me dérange pas les gens qui le font. En vrai, je pense que si j'ai de nouveau des moments comme ça, il faudrait que je les filme parce que c'est aussi important à documenter que les moments heureux, parce que c'est tout ça qui fait la vie finalement. Et bref, je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas je suis très contente de mon année 2022. J'ai surpassé, peut-être pas surpassé, mais j'ai affronté plein de peurs, pas toutes, genre ma peur des oiseaux restera une peur pour toujours je pense et j'espère limite, mais là j'ai vu que j'avais noté en gros que j'avais dépassé plein de peurs, genre j'ai dépassé ma peur du ski, ce qui était énorme parce que j'étais vraiment terrorisée et je suis enfin remontée sur des skis en 2022 et j'ai adoré ça. J'ai dépassé ma peur de la conduite, pareil, j'avais peur, tellement peur, j'étais tétanisée, j'en avais pas envie et là je l'ai fait cette année et j'ai adoré. J'ai fait plein de trucs qui m'ont fait peur, genre j'ai noté motoneige, luge, filmer en public, ça aussi c'était un truc dont j'avais peur et que j'ai fait de plus en plus grâce à ma caméra vlog pendant mes voyages et pas que, même ici. J'ai donné mon sang, ça aussi c'est un truc que j'avais pas peur, mais j'étais un peu réticente à l'idée d'avoir une aiguille plantée dans mon bras. Mais ça aussi c'est un truc que j'ai fait cette année et j'en suis très contente. Ah oui, j'ai noté peur d'avoir réalisé un rêve parce que, oui, pendant longtemps je voulais pas aller au studio Harry Potter parce que j'en avais tellement envie que je me suis dit si un jour je le fais, après j'aurai envie de quoi. Et je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai encore plein d'envie, j'ai encore plein de rêves, plein d'ambitions et tout, donc c'est cool d'avoir fait ça. Peur de déménager à l'étranger, peur de l'administratif, j'ai noté pour le Canada. Voilà, ça c'est une peur que j'ai surmontée quand même. C'est une peur que j'ai surmontée, que j'ai affrontée vraiment. Celle-là, on peut dire que c'était un combat. Et j'ai aussi noté peur de revoir les filles et que ce soit pas comme avant. Ça aussi, j'étais un peu stressée vraiment juste à quelques jours avant de les voir. Je me suis dit, ça se trouve, c'est fini. Genre, elles m'ont oublié, elles se souviennent plus de moi et tout. Et au final, c'était vraiment trop bien. C'est un peu le highlight de mon année d'avoir affronté toutes. Enfin, d'avoir fait face à ces peurs-là. Je vais fermer ma grande bouche maintenant parce que je pense que j'ai suffisamment parlé et je vais devoir couper plein de choses. Ça fait longtemps que je filme et j'ai envie d'aller manger et me coucher. Vos devoirs pour cette vidéo, c'est de me dire quels ont été vos favoris 2022, les favoris random. Même des favoris, séries, films, jeux, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Ça peut être des favoris deep ou des favoris chill, enfin des trucs genre comme une nectarine que vous avez mangé un jour d'été. Dites-moi ce qui a marqué votre année en bien ou en mal. Si jamais vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, ça me fera aussi plaisir de discuter de ça avec vous. Enfin, plaisir, ça me fera pas plaisir que vous ayez vécu des trucs nuls, mais ça me fera plaisir qu'on puisse échanger autour de ça. Même si moi j'ai pas réussi à vous partager mon histoire, vous êtes quand même, enfin voilà, j'espère que le message est quand même passé. Et sur ces belles paroles, je me tais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir et je vous dis normalement à la semaine prochaine pour ma vidéo sur mes objectifs 2023. Bisous.